Je ne suis pas quitté en prison pour supporter un camp contre un autre. Celui qui prêche pour son camp et pour son clan sera le président seulement de son clan. Je veux parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Je veux parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Je veux parler avec ceux avec qui je ne me suis pas entendu hier. Pour leur dire qu'on doit faire un chemin commun pour la Côte d'Ivoire. Mais une chose que je vous dis, jeunes de Côte d'Ivoire, ne laissez pas votre ego vous emporter. Ne laissez pas nos ressentiments vous emporter. Oh, comme je suis tout en prison, moi aussi je ne me venger jamais. J'ai attendu ici dans ce pays, on va jouer le match retour. Vous allez jouer quel match retour à qui? Vous avez dit, vous, ici, nos parents ont dormi en bourse. Nos parents ont fui la ville. Nos parents ont abandonné leur domicile. Des gens qui ont sué, qui ont construit leur domicile, qui ont construit leur maison, leur bien, ont vu leur bien détruit à la minute. Des parents ont enterré leurs enfants dans la douleur. C'est cette ville-là que vous voulez mener encore. C'est cette ville-là que vous voulez monter encore. Répondez-moi très bien pour qu'on attend. C'est cette ville-là que vous voulez monter encore. Chers parents, gardiens de la tradition, monsieur le maire, merci beaucoup. Votre jeunesse ne veut plus de ça. Votre jeunesse ne veut plus de ça. La jeunesse de Côte d'Ivoire est en train de vous parler. Criez encore plus fort qu'ils attendent. Criez encore plus fort qu'ils attendent.
Priez encore plus fort qu'il nous attende. Priez encore plus fort qu'il nous attende. Voilà, vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La jeunesse de Côte d'Ivoire ne veut plus de ça. Ne veut pas vivre en permanence dans le conflit. C'est un parametre, ce n'est pas. La jeunesse de Côte d'Ivoire vous dit que vos ambitions politiques ne sont pas au-dessus de la vie. La politique, c'est pour donner la vie. La politique, c'est pour améliorer la vie. La politique, c'est pas pour donner la mort à des jeunes gens. Je suis venu pour vous rassurer. Je suis venu pour vous apaiser. Je suis venu pour vous dire que votre voisin n'est pas votre ennemi. Est-ce que nous allons rééditer 2010? Est-ce que nous allons rééditer 2020? Est-ce qu'on ne peut pas faire les choses autrement? J'ai peur. Et comme j'ai peur, je ne vais pas rester inactif. Je vais agir. Je vais agir pour imposer la paix. Pour parler de paix. Parce que on ne va pas croiser les bras. Parce que la vague d'eau qui vient perturber la vie sur la rive se forme loin en mer. C'est pourquoi il faut anticiper. En faisant le tour de la Côte d'Ivoire pour parler de paix à nos enfants. Pour parler de paix à mes amis. Pour parler de paix aux femmes. Les femmes qui sont les vraies victimes de la guerre. Parce que quand la guerre et le conflit, ce sont les femmes qu'on viole. Elles doivent se protéger et elles doivent aussi protéger leurs enfants. Les femmes Yako. Les femmes Yako. Les femmes Yako. Les femmes Yako. C'est pour vous que je me bats. C'est pour vous que je prends la tête de ce combat. Ce combat de la paix. Ce combat de la cohésion sociale. C'est pour vous que je le fais. Plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Chers amis, c'est de ça que je suis venu parler cette nuit-là. C'est pourquoi je fais le tour de la Nawa. Parce que la Nawa renferme ce qu'on appelle tout le peuple de la CEDEAO. Ici vivent les Bété. Ici vivent les Malinké. Ici vivent les Baoulé. Ici vivent aussi les Burkinabés, les Maliens. Tout le monde vit ici. Et vous, vous devez tout faire pour protéger cette cité-là. En cultivant la paix. Rejoignez-nous au projet.